Mesdames et bonjour, bonsoir pour nous toutes et bienvenue sur la plateforme. Non, et d'amicoa, c'est toujours amis ou serviteurs. Merci Dieu. Yon plaisir pour nous capables ensemble avec nous jeudi, mercredi 12 juillet 2023 et pour nous partager avec toute nouvelle et toute information qui a bouleversé la ville, pays d'Haïti ou à l'étranger. Mais bien avant, moi rentrer dans information que moi porter pour nous dans vidéo ça et permettre moi remercier toutes amis, toutes fanatiques qui permettent et travail la possible. Merci pour support nous, merci pour collaboration, merci pour choisir nous pour capable informer vous. Merci pour fidélité et patience. Yo, et puis après ça, gagne un adolescent côté bien amis auditeur, yon adolescente 17 l'année qui lui-même tout est trouvé la machine ça qui était détourné au moins 6 ravisseurs violés avant yon relâché même avec l'autre passager côté proche yon te bail l'âge. Ti adolescente 17 l'année ça, au moins 6 jeunes garçons ravisseurs qui violé après ça yo te vin libéré zami auditeur. Et dans le département de nos pays y a un cap haïtien côté la police arrêté Rico Oscar 26 l'année pour tête li violé yon ti fi 4 ans 2 juillet passé dans quartier Bel Air Jean Paul. La police dans deuxième ville pays a jouké en bacode yon jeune garçon qui relé Rico Oscar qui gagne environ 26 l'année peut-être lui sacrifier une fillette qui gagne 4 ans seulement à Douetli. Rico Oscar posait des actes criminels ça dimanche 2 juillet 2023 passé à Nassoué, dans le quartier Belé, la caméraman Tifia même, selon porte-parole la police là dans le département de Noa, inspecteur divisionnaire Awol Jean qui t'a confirmé nouvelle là dans Mikono, pendant le préciser, santé victime n'a amélioré, côté docteur continue à bal soin cal nécessité. Inspecteur divisionnaire Awol Jean, pour plus précision. La police a arrêté Rico Oscar. Monsieur dit par contre l'âge, mais c'est un individu qui est dans la vingtaine, 25-26 ans, et qui violait un petit monde de 4 ans, une fillette de 4 ans. Et ça passait dans une Bel Air dimanche soir, 2 juillet 2023. Donc c'est pendant que j'étais dans la cour, la caille de monde, maman était là, tout ça. Et puis l'élément, son est Rico, son est qui était dans le voisinage. Et puis, à un petit moment, maman entend un bruit dedans, mettant le l'entrée, les jeunes doivent Rico en danger petit monde, et puis ça sorti tout ça. Donc immédiatement, il était fait appel à la police qui était arrêté le jeune homme. Et ensuite, il était allé avec petit monde à l'hôpital pour recevoir soin qu'il méritait. N'a pas fait remarquer, Zach a déjà qui depuis un bon bout de temps, il répété plus dans le département Noir. L'irrité à tout groupe qui travaille dans l'affaire respect de monde mettez à ministère des conditions femmes avec droits femmes pour gagner une politique sensibilisation dans la société, sans compter par un timon qui pour prendre engagement, continuer à faire éducation petit, dans l'objectif pour limiter des dégâts qui fait normal ça, qui relè qu'a déjà cap fait rage dans la société haïtienne en général et dans le département Noir en particulier. Jean-Roud Paul, cap haïtien. Vision 2000. Merci Jean-Roud Paul. Gagné deux présumés bandits qui mourirent pendant une opération. Divers agents brigade intervention commissariat cap haïtien mené 10 juillet passé dans la rue Makimara. Deux présumés bandits ça ont fait partie d'un réseau qui spécialisait dans fouille mon examen. D'après porte-parole police dans nos pays, à Harold Jean qui renouvelait détermination force l'audio pour mettre en bas corde tout le monde cap assimilé la trouble dans le département. En côté précision, commissaire divisionnaire Harold Jean, dans le micro correspondant nous Jean-Roud Paul. Section départementale Nord, police nationale d'Haïti, a fait informer la presse sur l'opération que pays cap haïtien mené hier soir dans la zone Makimara et qui c'est dans la zone Est-Ville cap haïtien, dans la sortie Est-Ville cap haïtien. Côté que, il y a deux individus qui tombaient dans l'échange de tir avec agent BIO. Ils ont blessé mortellement. Oui, ils ont blessé mortellement dans l'échange de tir avec agent BIO. Deux individus, ça, il y en a, c'est Tiram ainsi connu, et l'autre là, ils n'ont pas arrivé à identifier. Donc, ils ont fait partie d'un groupe d'individus, un groupe de bandits qui a fouillé les gens qui ont utilisé des motos 3 roues, tricycle qui fait le secteur ça, surtout les soirs. Au cours du week-end, les individus ont été braqués par un policier qui, c'est de justesse, monsieur de sorti en bas. Donc, la police croise avec au bab ou bab. Et il y en a eu un zam créole, ça a eu les tchagons en possession. Et il y a eu un autre qui était un gros couteau tout en possession. Et en plus, la police joint quelques
quelques joints de substances qui assimilées à marijuana sous eux. Donc, juge de paix et commune quartier Mont-Royant et fait constat légal et ensuite remettre cadavre par la mairie pour suivi. Pas gain mon agent BIO qui touché la balle? Heureusement non, pas gain monde du côté de la police qui touché dans l'opération. Au tap côté déclaration porte-parole la police en département Nord PIA Harold Jean agent exécutif intérimaire commune Mont-Royant Blaise Élysée jeune arrestation à Yemadia sous l'ordre juge instruction tribunal première instance Saint-Marc Francisco Beauplan après des fines tendel dans quatre dossiers assassinat avocat André Chalius maître Chalius qui tape défendre paysan Piatio dans cadre d'un conflit avec habitants dans délugé té mouri 12 avril passé dans une embuscade Carlo Augustin pour plus de détails. Blaise Élysée, magistrat commune Mont-Royant, juge instruction Mackenzie Beauplan, dans paquet Saint-Marc, mettez en bas code, mardi 11 juillet 2023, dans le cadre assassinat Maître André Chaléus dans la commune Mont-Royant. N'a pas rappelé, Maître André Chaléus est tombé dans la date 12 avril 2023 dans la commune Mont-Royant. Il a arrêté magistrat comme quoi il est accomplice dans cet assassinat. Carlos Augustin, Saint-Marc, pour Radio Vision 2000. Merci Carlos Augustin, Fénol Bona, Gardi Jean et Markinson Félix alias Pouchon, trois membres gang 400 Maozo qui opéré dans le Croix des Bouquets, journaliste sur 9 juillet passé dans la voie 23 qui était dans trois machines à Jean Force Lodio rivé saisi. La police annonçait tout, il a arrêté lundi 10 juillet passé à Jean-Baptiste Jean-Yvon qui était gagné à clé 83 cartouche calibre 7.62 à 944 000 gouttes dans Savane la Coupe, une zone dans la commune Mi-Balais. Là, on a toujours été en région, mais nous allons aller dans Okaï. Côté activité de la justice, on reprend dans la juridiction Okaï. Côté gagnant, on fait un dossier qui pourra le plaider dans le cadre d'une session assise criminelle sur l'assistance jury qui commençait hier et avant-hier, lundi, hein, et qui a fini 28 juillet, qui a venu là, d'après Jocelyn Lucien, qui s'est doyen à un tribunal première instance, Okaï Hans Jean-Louis. Après presque deux années, depuis toute activité judiciaire, il a été paralysé dans la juridiction Okaï. Autorité judiciaire dans la juridiction après plusieurs démarches organisées à ces criminels assistants jury dans le tribunal première instance au Kaïla à ces criminels Sayo qui débutaient lundi 10 juillet 2023 tadwe prend fin 28 juillet même année et c'est environ une vingtaine de dossiers qui bien pour passer dans le cas d'assise Jocelyn Lucien. C'est droit à un tribunal première instance au Kaila. Nous commençons jeudi à 10 juillet 2023 et nous l'Italie prend fin le 28 juillet 2023. Nous gagnons une vingtaine de cas qui t'a dû passer dans ce sur la justice criminelle ça. C'est vrai, activité judiciaire a commencé dans la juridiction depuis environ deux semaines, mais ce n'est pas une satisfaction pour doyen. Qui parlait de carence en juge de siège qui ralentit sous quantité de dossiers tribunal la ta doué traité. Mais la seule chose m'a signalé pour la presse en général, ta doué de plus activité tribunal là parce que qu'on carence en juge de siège actuellement. C'est nous, comme cinq juges et juges d'instruction qui viennent dans le tribunal là, moins pour activité que moi-même, moi gagné pour me faire à gauche, à droite, c'est moi-même. Nous venons passer à trop temps pour nous aller dans le siège. Dans ce discours, dans l'occasion, le commissaire gouvernement au Kaila, maître Ronald Richemont, félicite les acteurs concernés pour volonté de exprimer pour justice la capable de démarrer dans la juridiction, les faire connaître tout, à ceci là organisé dans l'idée pour diminuer taux de détention préventive prolongée. Dans la juridiction au CAI. La justice reste et demeure un service public que rien ne doit l'arrêter pour quel que soit le motif. La présente session des assises criminelles sans jury donneront l'occasion de diminuer le taux élevé de la détention préventive prolongée. Cheval de bataille du ministère de la Sécurité publique représenté par Mme Louis Couffet. Faut que nous souligner plusieurs organisations droit monde dans la région parmi le RSDDH. Exprimer contentement yo pour activité judiciaire qui reprend dans Okaï pendant yo di espéré acteurs va continuer travailler ensemble pour système justice là carité debout dans département Hans Jean-Louis depuis Ville Okaï Vision 2000. Merci Hans Jean-Louis.